Cédric, après une bonne entrée, Athéna, elle remet les pendules à l'heure, elle s'impose avec la manière. Oui, bah elle a redescendu de catégorie par rapport à sa dernière course. Mais la jument l'a bien fait. Pas hésiter à aller. Oui, bah c'est une jument de train. J'ai fait parler la tenue. Et puis bon, avec le terrain qu'on a, c'est pas plus mal, on prend moins de projection en plus. Alors c'est une jument, on a du mal à la cerner. Des fois elle fait des superbes valeurs et puis des fois on a l'impression que ce n'est que l'ombre d'elle-même. Pourquoi ? Oh, elle a pas fait énormément de fausses courses, je pense quand même. Ça lui est arrivé d'être disqualifiée parce que bon, c'est une jument qui va au genou pas mal, donc des fois elle s'accroche, puis ça peut lui arriver de faire des fautes, mais en règle générale, elle a quand même fait toujours toutes ses courses. Aujourd'hui, elle a été déférée des 4 pieds, est-ce que vraiment ça l'améliore ? Oh, c'est un avantage quand même, hein, parce que elle s'accroche moins une fois déférée. La suite de son programme avec elle, on a cru entendre dire que tu pensais déjà au critérium ? Bah, disons qu'on va prendre les courses fermées qu'on a les unes après les autres, comme elle n'est encore pas trop chargée en gain. Et puis, si ça veut aller jusque-là, on envisagera. Je t'ai quitté pas sans me demander des nouvelles du Lan. Le cheval va bien, il a très bien récupéré. C'est pour ça qu'on tente le coup samedi, parce que je pense que le cheval, c'est une course à effacer le dernier coup.